Ça va, petite sœur. Je me rends. Liguiron ? Impossible ! Je t'ai vu ! Tu étais pétrifiée ! Tu es vivant ! Je t'ai fait mal ? Bien sûr que non. Il en faut bien plus pour m'abattre. Surtout venant de toi. Qu'est-ce qui est arrivé ? Eh bien, l'équipage a été pétrifié. J'ai fumé quelque chose avec l'oracle, et c'est à peu près tout. Sauf que ce n'est pas vraiment un oracle. Qu'est-ce que tu fais ici ? Il a dit quelque chose sur moi ? Non, seulement à quel point la situation était grave. Et à en croire la prophétie, seul un véritable héros peut gagner. Alors... Alors quoi ? Eh bien, je suis là pour nous sauver. C'est sûrement pour ça que je n'ai pas fini en statue. Oui, pas sûr. La prophétie parlait de défauts, et toi, je ne t'ai jamais vu commettre la moindre erreur. Allons, elle parle de l'aîné de Tétis. C'est moi le premier-né de maman. Et cet enfant persuadé, ça ne peut être que toi. Donc, je dois te persuader que c'est moi le héros. Compris ? Sauf que je ne suis pas une enfant. Non, mais aucune prophétie n'est totalement exacte. C'est courant. Tu n'as pas eu non plus l'aide du messager ailé. Ah, mais bien sûr que si. J'ai pris ça sur un griffon. Parades, il a piqué la paire en série limitée. Il peut pas faire attention à ses affaires, Hermès. Bon, tu croyais que la prophétie parlait de toi ? Non. Non, pas du tout. Alors, ne fais pas cette tête. Et puis, tu n'aurais pas envie de t'attaquer à ce gros monstre tout rouge. Typhon. C'est fou, hein ? Tu sais qu'il existe des dieux, ici ? Oui, je le savais. Et je rends service à l'un d'eux. Je cherche un appareil de suivi pour trouver celui qui a volé une fiole à Arès. À quoi ça ressemble ? Peut-être que j'ai ça. Ah, mais c'est toi le voleur, en fait ! On ne sait jamais de quoi on aura besoin sur une île comme ça. Je n'aime pas être pris au dépourvu. C'est bien l'essence d'Arès, oui. Prends-la. Écoute, tu n'as plus à porter ce fardeau. Laisse-moi m'occuper de la suite. Et je sais que tu n'es pas une guerrière, porteuse de boucliers. Je me suis entraînée en secret, je te signale. Et c'est moi que les dieux devront remercier. Je récupère leur essence pour affronter Typhon. D'accord, je te crois. Continue à t'occuper de ces essences. En fait, j'aurai quelque chose à te demander quand les dieux seront redevenus eux-mêmes. Ensuite, tu pourras me retrouver sur la montagne enneigée et m'aider à combattre Typhon. D'accord. Ça me va. Alors parfait. Deux épées valent mieux qu'une. Enfin, disons une épée et demie. Charles, une réunion de famille. Il y a de l'essence d'Arès au menu. C'est ça. Et du gâteau. Je vais me couper une petite tranche. Je vais les tuer. Non, toi tu files d'ici. C'est à moi de les affronter. Quoi ? Mais... Va-t'en ! Je peux me débrouiller seule. Allez, laisse-moi m'occuper de ça. Hop ! Ah !
maintenant. Tu veux monter un spectacle ou ouvrir une ferme? Tu m'as sauvé. Je tenais à voir ce que devenait ma forteresse, et comme je m'y attendais, elle est pleine de méchants, qui ont sûrement abîmé les tapis. Tu as trouvé l'appareil de suivi? Je n'en ai pas eu besoin. Je suis tombée sur le voleur, et devine quoi? C'était mon frère. Il n'a pas été pétrifié. Ah, alors c'était lui, le mortel à qui tu parlais. Il veut que vous affrontiez Typhon sans aide extérieure. Il a envie de mourir. Tu ne connais pas ses exploits. Rien ne lui résiste. En tout cas, tu as réussi une chose que je croyais impossible. Ah bon? J'étais là, désespéré comme toujours, sachant qu'il n'y avait aucune chance que tu réussisses, attendant ton échec en somme, et puis j'ai regardé ma statue. Je me suis dit, Phoenix ignore s'il réussira, mais elle y va quand même. Quel courage! Et d'un coup, en un claquement de doigts, enfin, je n'ai pas de doigts, mais j'en ai eu assez de faire l'autruche. Tu n'as pas idée des horreurs que ses mains ont pu créer, les chairs fumantes et frémissantes qu'elles ont caressées. Je crois savoir, si. Non seulement elle n'abîme plus rien, mais elle n'existe même plus. Et ça, c'est insupportable. Alors, terminé. Je ne veux plus être un poulet. Oui, tu as retrouvé ton ardeur. Tu vas être content de savoir que j'ai repris ça. Je sens son pouvoir. J'en ai la chair de poule. Tiens, accepte ma bénédiction en remerciement. Tu la mérites, guerrière. Merci, Ares. Je dois m'en aller d'ici. Retrouve-moi à la Halle des Dieux. Je pourrai sans danger y effectuer ma métamorphose. De poulet à puissant, de cocotte à cogneur, de picoreur à punisseur, de cacteur à casseur, de... Oui, oui, doucement ou Aphrodite risque d'avoir peur. Je te rejoindrai là-bas. Tandis qu'Arès regagnait triomphalement la Halle des Dieux, Phénix se remémora ce que lui avait appris le dieu de la guerre. Que le poulet trop cuit, c'est fade et filandreux? Que le vrai courage n'est pas l'absence de désespoir, mais le fait d'en triompher. Arès n'est pas connu pour faire les meilleurs choix, mais c'est vrai qu'il finit toujours par rejoindre le bon camp.